Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'écouter un son qui provient de la Guinée. Ça fait un moment que j'avais pas écouté un son de Third, alors que je sais que il est actif, il fait du son et tout, donc aujourd'hui on va pas se louper. Ça s'appelle Gongoli, réalisé par Over et produit par Tierno Money. Ok. Donc voilà, ça vient de la Guinée et on va checker ça. Je sais que vous avez été nombreux aussi de me le demander aussi dans les commentaires. Souvent, je le vois. Donc cette fois-ci, on va pas le louper. C'est parti. La prod, elle est vraiment spéciale et sombre en même temps. Oh, joli comment ça a été fait là. Il a du charisme, comment il pose sur son flow. Il a un flow en fait, il est vraiment spécial parce qu'en fait, il arrive à ramener un côté vraiment sombre avec un flow et un débit plutôt léger, tu vois. C'est hyper bien fait. Tu vois, il a la voix qu'il faut pour faire ce genre de son. L'instru est changeante aussi, ça fait du bien. Franchement, il pose bien. Hein. Il pose bien. L'instru est adapté. Mais il a vraiment un truc vraiment sombre dans sa voix. Et c'est ouf, hein. Même si l'instru, tu vois, elle est plutôt lente au niveau du BPM. Et au niveau du flow, tu vois, il est pas en train de piquer, sauf par moment, j'avais entendu qu'il est rapide. Mais sinon, tu vois, il est plutôt léger, tu vois. Tranquille, tu vois, il est posé. Et il y a ce truc sombre qui ressort et c'est hyper bien fait. Franchement. La bouche c'est Bemi Barinira. Killer King, Biatinira. Inu Bili, Indemayatinira. C'est bien, ça change du début jusqu'à la fin. La musique est variée. Même s'il y a toujours le même sample, enfin le même sample, la même boucle, on va dire, de je sais pas comment on appelle ça, le bruit là derrière. Toujours le même truc du début jusqu'à la fin. Après c'est changeant, il y a des petits trucs qui englobent tout ça du début à la fin et ça change et ça m'a fait du bien. Donc, franchement propre, hein, c'est Third, c'est Gongoli. J'avais déjà fait un son sur lui en plus, ça remonte un petit peu. Je sais plus c'était lequel, mais c'était l'année dernière je crois et depuis j'en ai pas fait depuis. Mais en tout cas il est toujours actif, toujours. Toujours dans son mood, toujours dans sa productivité, c'est bien. Et c'est quand, je crois qu'il avait sorti un truc il y a 2 mois de cela, je crois. J'avais pas eu le temps de le faire. Ouais, c'était ça. C'était un son, il a fait plus de 210 000 vues. Et ouais, toujours actif, hein, c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. Il garde sa communauté proche et toujours sur le terrain. Et voilà, ça vient de la Guinée, il s'appelle Third. Et je pense que lui, il va encore sortir des grosses dingueries, ce gars-là. Parce que je l'ai souvent entendu dans le rap guinéen. Son nom revenait souvent parmi les meilleurs rappeurs de la Guinée, les meilleurs artistes et ceux qui font le plus de bruit. Il y a son nom qui ressort chaque fois, à chaque fois je l'entends, à chaque fois je le vois, surtout dans les commentaires à droite, à gauche, que ce soit TikTok, YouTube ou d'ailleurs. En tout cas, voilà, force à lui, c'est propre, c'est carré, c'est soigné comme on dit. Et ouais, il a un délire spécial, franchement,
J'ai pas écouté les derniers qu'il avait sortis, mais en tout cas, c'est chaud. C'est Third, ça s'appelle Gongoli, et c'est sorti il y a quelques jours. Donc voilà, c'est du propre, ça vient de la Guinée. Et voilà, on apprécie. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao, ciao.